Oui, donc on continue. Alors le limoud, encore une fois, il est Leilou Nishmat, Janine, Massa, donc Bat, Emily, Laila, Brami. Et aussi pour la Foshema, le srout du limoud, c'est pour la Foshema de Chai Shalom Ben Esther. Amen. Alors les amis, on est dans la Tshuva, première page. On continue. Je mets bien le... Voilà, on va essayer de le mettre comme ça. Vehuzarnou, vous l'avez, Vehuzarnou ? Début du paragraphe, du petit passage. Vehuzarnou à la tchouva avec un mot de Batora. Comme on a dit hier ce mal-là. On a dit hier, Vehuzarnou. Vehuzarnou. Donc on a été donc averti sur la tchouva dans plusieurs endroits dans la Torah. Vidbaer. Et là-bas, on nous a éclairci, expliqué. Si une personne, elle fait teshuva parce que elle souffre, il est tombé, même le truc, il n'a pas tenu. Donc si une personne, elle fait teshuva parce qu'elle est betzara, c'est quoi betzara? Parce qu'elle a des souffrances. Elle a des souffrances parce qu'elle souffre. Et à cause de ses souffrances, alors elle fait teshuva. Très souvent, ou malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, chacun jugera tout seul, les personnes font teshuva quand elles ont des problèmes. Quand tout va bien, on n'a pas besoin de Dieu. Parce que quand tout va bien, c'est grâce à moi. C'est toujours grâce à nous quand tout va bien. Et des fois, malheureusement, c'est quand tout va mal, une maladie à chémichement, la perte d'un être cher, des choses moins graves ou plus graves, heureusement, situation financière, des choses qui peuvent être... Là, on se rappelle qu'il y a un Dieu. Là, on se rappelle qu'il y a quelqu'un qui est au-dessus de tout, qui dirige tout et qu'on se lève. Non, c'est pas pour ça. Ou c'est pour ça. Mais on verra. Là, le lien, il est que parfois, même la personne, tu vas dire, mais attends, celui-là, pourquoi il a fait tu vois. Parce qu'il a pris sur la tête. Elle vaut quelque chose, cette chouva? Oui, elle est mekoubelette. Parce que si tu as reçu cette sarot aussi, vécoulé, c'est pas pour rien. C'est pour t'éveiller. C'est pour t'éveiller. Il y en a qui donc, font tchouva par ricochet. Pas j'ai pas entendu. Par ricochet. Ouais, exactement. Eux, ils n'ont pas eu de souffrance. Exactement. Mais ils ont vu les autres souffrir. Et ça les a éveillés. Ok, et met. Mais là, tu aurais pu avoir une question. Tu dis maintenant, le type, qu'est-ce qu'il a fait tchouva? Il a fait tchouva parce qu'on l'a mis, on l'a frappé. C'est normal qu'il fait tchouva. Elle est mekoubelette. Elle est acceptée par Hachem, cette chouva, c'est se repentir. On l'a vu, c'est la balcon. Que elle qui te rappelle. Alors... Emet, non mais on parle de Betsara, quand la personne est Betsara. D'où on voit ça? Je crois que tu as dit autre chose. On l'a vu. Où on voit ça? Que quelqu'un était Betsara de Betsara. Il était mamache en souffrance, de chez souffrance. Il a même mal parlé à Hachem. Et malgré tout, Dieu, il a écouté ça. Tu es là et il a accepté sa teshuva. C'est qui? On l'a vu. Le roi Ménaché. On l'a vu mille fois. Ben oui, le roi Ménaché, il a mis des idoles au Beth Amikdash. Pas simplement, il a mis des idoles au Beth Amikdash. Il a obligé l'homme Israël à faire Avodah Zara. C'était un roi rachat. C'était le fils de qui? Chizkiyahu HaMelech. C'est-à-dire que c'était un tzadik son père. Lui, c'était un. Malheureusement, il est mal sorti. Et c'est pour ça d'ailleurs. Exactement. Et d'ailleurs, il est mal sorti, c'était lui. Ah oui. Exactement. Et. Le Tanakh, le Tanakh comme ça. Là. Le Nakh. Oui. C'est des abréviations. Tanakh, Tav, c'est Torah. Noun, c'est Nevi'im. Et Rav, c'est Ktuvim. Le Nakh, on peut le trouver, on traduit en français. Ah, ça, il est partout. Ça, tu l'as à Galia, il est. À Galia, il est. Il y a une édition entière. Ouais, avec Rashi. L'édition entière avec Rashi. Tout le Tanakh. Très, très, très sympa. Ouais, très bien de le. On avait commencé à le faire avec Yeshua, on va reprendre Bezrat Hashem. On avait commencé à le faire avec Yeshua. Et c'est quoi l'histoire de roi Ménaché? C'est quoi son histoire? Donc c'était un roi impie qui faisait la Avodah Zarah, l'idolâtrie, obligé le peuple juif à faire l'idolâtrie. Et une fois, il y avait la guerre avec Melech Ashour, si je ne me trompe pas, il avait été attrapé par nos ennemis. Et lorsqu'ils ont attrapé le roi d'Israël, ils ont dit on va lui faire la fête. Papa, attends, dis-moi, on a un roi d'Israël entre les mains, on va pas rigoler. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé comme au Colisée, là, comme un arène. Dans un arène. Ils l'ont mis au milieu là-bas, il y avait tout le peuple qui était là, ils ont mal le faire souffrir bien le faire souffrir, bien rigoler avec lui. Et là-bas, ils ont mis une grosse marmite, un gros feu en dessous de ses pieds, ils l'ont fait pendre comme ça, comme un chaudron, et ils l'ont fait descendre, ils vont le brûler vivant, mais à petit feu, tu vois, vraiment on va le faire souffrir. Dans l'arène. Et puis il descendait, et plus il sentait la chaleur et la mort arriver. Alors il a commencé à appeler tous ses dieux. Alors il a appelé le dieu du pognon. Ablada, il les appelait tous en plus. Bien sûr, Gemara, regarde, il a appelé tous les dieux, il a appelé le dieu du pognon. Moi, je l'ai fait en dieu du pognon, mais on s'est compris, d'accord? Il a,
pognon, il peut venir t'aider quand c'est la fin. Il n'y a pas une malade à sorte. Il y a pas de... Après, il a appelé le pognon, le dieu des... Dieu des femmes. Oui. Hein? La perversion, rien du tout. Le dieu du jeu, le dieu du foot, les dieux de... Il a appelé tous les dieux, comme ça, comme on dit. Tous les dieux. Bien sûr, qui c'est qui va lui répondre? Personne, il n'y en a pas, il n'y en a qu'un. À la fin, comme on dit, il s'est rappelé. Il s'est rappelé que son père, Chrisku Amalek, qui était tzaddik, qui avait été machiach, il avait une prina de machiach. Il s'est rappelé que son père, quand il était petit, lui apprenait qu'il y avait le Dieu d'Israël et que le Dieu d'Israël, quand on l'appelle, même quand on est mamash, dans un cas compliqué où tu penses que tout est perdu et tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus d'espoir, si tu l'appelles de tout ton cœur, il te répond. Il a dit comme ça, Agmar, il ramène ses paroles, c'est écrit dans le livre derrière. Il a dit, regarde, Dieu d'Israël, si vraiment tu existes, écoute bien, si vraiment tu existes, sauve-moi. Si tu me sauves pas, ça veut dire que tu n'existes pas, tu es comme tous les autres. Entends ? Écoute, à ce moment-là, Agmar, elle dit, tous les malachés, Acharet, tous les anges célestes, ils sont venus devant Kadosh Baruch Hu, ils ont voulu bloquer la tefila de Menaché, ils ont bloqué sa prière pour pas qu'elle arrive à Hachem. Je dis à Kadosh Baruch Hu, s'il te plaît, n'écoute pas sa prière. C'est du blasphème. Comment tu vas écouter la prière d'un impie comme ça, il dit ? Si tu es un véritable Dieu, alors viens, sinon tu es comme tous les autres. Mais ça ne va pas la tête, non ? Ils ont bloqué la tefila. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu ? Il les a poussés. Il a dit, laissez passer sa prière. Si je ne réponds pas à Menaché, je ferme la porte à tous les Baalei Tshuva. Ce matin, je ferme la porte à tous les Baalei Tshuva. Je ferme la porte à tous les gens qui veulent se repentir. Parce que peut-être qu'une fois, dans des générations, un de mes enfants, il sera en Thaïlande. L'histoire que j'ai racontée, Shabbat. Et il sera dans les bras d'une Thaïlandaise. Et qu'il aura une itoreirut, l'histoire de Shabbat que j'ai racontée. Il aura un éveil à la Teshuva, au repentir. Et là, ils vont revenir. Et ce type-là, regarde, c'est ça qui t'intéresse. T'es venu que pour la Thaïlandaise. C'est de la folie, c'est de la folie. Hein. Yachlo. Rien du tout. Et que lui, il se dit, regarde où je suis arrivé. Regarde dans la bassesse dans laquelle je suis arrivé. Ce juif-là, mon fils, il peut se dire à un moment donné, Dieu, il m'aime pas, Dieu, il ne m'écoute pas. Non. Je vais montrer que même quand il a mal parlé, même c'est... j'ai accepté cette échoua, se repentir, pour apprendre à tous mes enfants que le repentir, il est possible, et je le reçois dans tous les cas. Shamata. Et à Kadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a fait un S, il a pris le roi Menaché, il l'a pris, il l'a avalé par la terre, hop, il l'a amené à Yerushalayim, l'agma dit, miracle, il a fait un S, il a fait un miracle. Il l'a amené sur son trône à Yerushalayim, il a été sauvé. Il a fait Teshuva. Il a fait une vraie Teshuva, bien sûr, il a fait Teshuva. Bah, après un truc comme ça, je pense que c'est bon, quoi. Nadir, non ? Je pense que c'est... Nadir, bah, il a fait Teshuva. Mais c'est pas Nadir. Quand tu vois des juifs qui sont à 80 millions de kilomètres de la Torah, et tout d'un coup, voilà, c'est pas Nadir. Et tout d'un coup, moi, pourquoi j'ai raconté l'histoire de la Thaïlandaise, c'est l'histoire que j'ai racontée Shabbat. Je connais quelqu'un qui m'a raconté une histoire de Teshuva. Il était avec des copains en vacances en Thaïlande. Il était jeune, il avait 20 ans, ou 18 ans, ou 19 ans. Maintenant, ils m'ont entendu. Votre histoire, c'est la même histoire que les femmes. C'est vrai ? Je connais pas. Ah. Il a témoigné sur ton rabot, il s'est raconté toute son histoire. Ah, je savais pas. Ils étaient comme ça dans la. Dans le Halloween complet. Ah, il a commencé à dire, ouais, mais il a bien ça. Non, mais j'aime bien. Cette histoire-là, d'où on la voit ? D'où on a le koach du roi Menaché ? T'as écouté du Rabzimi ? C'est une communauté du Zimi. Ce koach-là, voilà, quand je vous dis, il l'a donné. Par l'intermédiaire du roi Menaché. Quand je vois à ce moment, il a dit, mais si j'accepte pas cette tchouva, je ferme la porte à tous les balais tchouva, même le type qui est très 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 loin et que je l'accepte, j'accepte cette tchouva. Et donc même ici, dit le Rav, Rabbi Yona, même une personne qui fait tchouva parce qu'il est dans les tsarot, parce qu'il a beaucoup de problèmes, parce qu'il est dans la panade, même si, alors j'accepterai son repentir. Kol Sheken, im yashu mirat Hashem be'avato. Alors pour votre raison, quelqu'un qui fait tchouva par crainte ou qui fait tchouva par amour de Dieu. Sheneyama, batzar lechom et tzaucha kol avrim alei bachit hayamim. Il y a ce qui est écrit ici dans Sefer Dvarim, dans Parashat Dvarim d'ailleurs, ce qu'on a lu il n'y a pas très longtemps dans la Parashat. Batsa lecha, tu auras la tzara, tu auras des tzarot. Je l'ai dit déjà en français. Non, tzarot, c'est pas. Non. Des souffrances, tu auras des souffrances. Umtsaucha, kol advarim ma'ale bachet hayamim. À la fin des temps, on vivra, à la fin des temps, on est en plein dedans, on vivra des moments très 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 durs, très compliqués. C'est pas forcément des moments on l'a déjà vécu il y a même pas 70 ans avec la Shoah qui fait partie de Acharei Hayamim ou Hashem Yishmor, ce qui s'est passé à la Shoah. Hashem Yishmor, le type il sortait du four, sa femme, ses enfants, c'est des trucs qu'on peut même pas s'imaginer, ce qu'ils ont vécu, on peut même pas s'imaginer.
savez, entreprendre. Il y a des gens qui des négationnistes de la Shoah, d'accord ? Ils ne sont pas négationnistes parce qu'ils sont antisémites. Il y en a, ils ne s'en passent pas parce qu'ils sont antisémites. Ils peuvent pas croire ça. Voilà. J'en ai rencontré. Le gars, il te dit j'adore les juifs, c'est pas de problème, quoi. J'ai pas de problème avec les juifs, mais il dit je ne veux pas concevoir une chose. Je ne veux pas, le Echol. Le cerveau humain, il ne peut pas. C'est inimaginable ce qui s'est passé là-bas. C'est même pas humain. On ne peut pas s'imaginer que des hommes peuvent faire ça à d'autres hommes. C'est pas possible. Pas imaginer, bon. Pas imaginer. D'accord, mais bon, là c'est une nation, c'est prévu. Ok, là c'est une pulsion, c'est une pulsion. En tout cas, c'est ce qu'il y a écrit ici. À la fin des temps, quand ces tsarot, elles t'arriveront, mais shavta. Alors qu'est-ce qu'on fera? Quand à la fin des temps, on vivra des moments douloureux, difficiles, ou économiquement, peut-être de santé, mais ces choses-là, le monde y sera complètement fou. Il y a écrit dans la Torah. Veshavta ad Hashem Elokecha. Alors là, on reviendra vers Akadosh Boru. On entendra sa voix et sa parole de Dieu. Et il continue le Rav. Vidbaer Batora. Il a été expliqué dans la Torah. Ki azor Hashem la shavim kasheren yad tivam maseget. Ce qu'on a expliqué ce Shabbat. La Torah, elle t'explique qu'Akadosh Boru va aider les gens qui veulent revenir vers lui. Même au-delà de la Teva, même au-delà de la nature. C'est ce qu'on dit. Comment le type, tu viens de raconter l'histoire, comment le type peut faire Tshuva en boîte de nuit? Comment le type peut faire Tshuva dans le bras d'une Thaïlandaise? Comment le type peut faire Tshuva à Phoenix, sur son cheval, en Arizona? Comment? Comment? Tu sais ce qu'il dit? Kacheren yad tiva maseget. Au niveau naturel, le type. Le type, il est tellement, tellement enfoui dans la Vera. Il est tellement ensouveli dans la Vera. Tellement dans l'impureté, tellement dans la touma, c'est impossible au niveau naturel que ce type fasse ses chouvas. Tu connais le type là qui me racontait toujours ma mère? Je crois que c'était un cousin à eux, anti-religieux. Tu vois pas qui c'est, comment il s'appelait? Type aussi anti-religieux, anti-Torah, anti-tout. Il a une barbe comme ça, avec roulé. C'est un de la famille. Hein? C'est Charlie? Voilà. En malassante. Il y a des fois, tu vois des gens, tu dis impossible que ce type. C'est impossible qu'il va t'échouer. Impossible. On a un cousin éloigné de ma mère. Un cousin de ma mère. Autour là-bas. Le type, c'était un anti. Un anti. Anti-anti. Maintenant, il a barbe, il a magie, il est truc, il est religieux. Comment c'est possible? Comment R? Il dit. Et Kacher, Akadosh Borou, il va aider, il aide les personnes à faire teshuva, les mal à Teva, au-dessus de la nature. Et d'ailleurs, la teshuva, de toute façon, c'est quelque chose qui est complètement, complètement surnaturel. C'est pour ça que l'Agmara dit Mechila. Qu'est-ce qu'elle dit l'Agmara? Qu'il y a sept choses que Dieu il a créées avant Maaseh Bereshit. Il y a des choses que Dieu il a créées avant la création du monde. Sept, je croyais. Dix, peut-être. La bouche de. Non, ça, c'est Ben Hashmashot. Une de ces choses-là, c'est quoi? C'est la teshuva. Non, ce que je dis, c'est par rapport à Ben Hashmashot. Là, c'est avant la création du monde. La teshuva, la Gemara dit le choix de Maaseh Negila, que Dieu il l'a créé avant la création du monde. C'est-à-dire quoi que la teshuva elle a été créée avant la création du monde? Pour t'apprendre quoi? Pourquoi? Pour te dire c'est quoi? L'antidote avant la maladie. Il a fait, mais ça veut dire quoi? C'est quoi avant la création du monde? Le monde c'est quoi? C'est la nature. Pour te dire que la teshuva elle est surnaturelle, comme la Torah. La Torah elle est avant la création du monde. Donc la Torah elle est surnaturelle. La teshuva c'est surnaturel. Et tu le vois de toute façon. Tu le vois, c'est le Bechouche. Des gens qui font teshuva, c'est improbable. Improbable. Ils font teshuva. Ça va, Igan. Même à Phoenix. Entre les bois de Suzanne et de Pamela. Vichadesh, Bikirbam, Wartaor, la Sigmalota, Avaton. Je connais pas Suzanne. Et tu vas dire, mais comment c'est possible? Tu sais pourquoi? Akadosh, Boru, Bebudo, Beatsmo, lui-même. Il va renouveler en eux un esprit et un vent de pureté pour commencer à comprendre Dieu, comprendre Akadosh Boru, pour arriver à l'aimer. C'est Akadosh Boru lui-même qui va insouffler. Alors, il faut toujours un catalyseur. Oui, il y a un catalyseur. Le catalyseur, c'est toi. Comme on a dit, Akadosh Boru, il amène. Shuvanim, Shuvavim. Cette voix-là qui amène et Mehoret Adam, qui est là pour éveiller la personne. Mais à ce moment-là, il ne peut pas sortir tout seul. Comme la Gemara dit, Maserhet Brachot, En, A Asir, Yachol, Lotzi et Tatmo et Beta Asurim. Un prisonnier ne peut pas se faire sortir tout seul de prison. Eh bien, c'est pareil. On est emprisonné dans la Avera. On est emprisonné dans le péché. Quand on fait des péchés, quand on est dans la faute, on est emprisonné dans les fautes. C'est-à-dire qu'on avait expliqué plus d'une fois. C'est ça, c'est toute la beauté du Lashon HaKodesh. C'est quoi Assour? C'est quoi Moutard? Vous vous rappelez? On avait dit ça pendant la veillée. Rappel? C'est quoi Assour et c'est quoi Moutard? Comment tu expliques Assour, toi? Comment vous expliquez Assour? Interdit. Quand tu dis Moutard? Permis. Ça, c'est Mechila, mais c'est très chrétien. Sans vouloir.
C'est très chrétien. Interdit et permis. La Torah, il n'y a rien d'interdit et permis. C'est quoi assour et c'est quoi moutard? Assour, assour, on traduit en français interdit. Mais ce n'est pas ça. C'est quoi un assir, bête à soir? Un assir, c'est un prisonnier. Bête à soir, c'est une prison. La Torah, quand je vous dis, mon fils, quand je dis que c'est assour, je ne dis pas que c'est interdit permis. Parce que si tu vis la Torah interdit permis, qu'est-ce que tu fais à la fin, Rabbi? Tu te pends. C'est que permis interdit, permis interdit, tu te pends. Et si on éduque nos enfants à savoir que la Torah, c'est que permis interdit, à la fin, qu'est-ce qu'ils font le gosse? Ils se pendent, c'est une Torah de Rasra. À Kadosh, beaucoup, la Zohar à Kadosh, il dit que les mitzvot, c'est que quand le Zohar, il parle des mitzvot de la Torah, comment il les appelle? C'est ce qu'on avait dit. Quand le Zohar, il parle des mitzvot, comment il appelle les mitzvot? Il dit pas mitzvot, il dit comment? Aretzot. C'est quoi Aretza en français? Des conseils. Alors, va dire que la mitzvah, la base de la mitzvah, Asher, Kideshem, Bemizot, Avetzilanou, c'est un ordre, on est ordonné par Dieu. Que tu veuilles, pas, ça te plaît, ça te bat, tu veux le faire. Et si tu t'arrêtes à ça, tu t'arrêtes comme un bébé avec son papa, comme un enfant avec son papa. C'est beaucoup plus puissant que ça. Les mitzvot sont des aretzot, sont des conseils. Comme un père qui viendrait conseiller son enfant. Pourquoi? Pour que tu deviennes, pour que tu te réalises, pour que tu épanouisses. Le père, il te connaît, ton père, il te connaît. Quand je vous dis, qui plus que Dieu peut te connaître? Donc, à travers les mitzvot qu'il nous a donné, vous avez les meilleurs conseils de vie pour s'épanouir, devenir, être, se réaliser véritablement. C'est pour ça que, assour, quand Dieu, il te dit, ça, c'est assour. Le cochon peut manger, c'est assour. Allumer les mères Shabbat, un feu Shabbat, c'est assour. Et toutes ces choses-là, c'est assour. Quand les choses qui sont assour, c'est quoi? C'est que si tu rentres là-dedans, mon fils, tu deviens prisonnier des forces du mal. Tu t'emprisonnes. Fais attention. C'est beau, hein? Il y a un philosophe français, je m'en rappelle plus, c'est lui qui peut me trouver, qui c'est qui disait ça? Je crois que c'est Descartes, mais je ne suis pas sûr. Celui qui peut me retrouver. Et c'est quelque chose de Hémet qui l'a dit, c'est la Torah qui dit ça. Il n'y a qu'une personne qui peut dire non à ses pulsions qui est véritablement libre. Quelqu'un qui peut dire non à ses pulsions, à ses passions, est véritablement libre. Quelqu'un qui fait, nous on pense l'inverse. Quand je peux faire ce que je veux, là où je veux, quand je veux, je suis libre. Zélon Achon. Toi, tu n'es pas libre. Pourquoi? Tu es obligé. Ton penchant t'oblige. Tes pulsions t'obligent, tes passions t'obligent. Mais lorsque tu es devant maintenant une pulsion, elle est là, la voisine qui passe en mini-jupe. Et tu as envie de t'enfermer avec elle dans l'ascenseur. Mais à ce moment-là, tu ne rentres pas avec elle dans l'ascenseur. Et tu te retiens. Toi, tu es libre. Tu sais dire non à tes pulsions et tes passions. Stop. Ou dans l'ascenseur. Hey, dans l'ascenseur ou chez toi? Ah ben zut, on est bloqué. On est bloqué. Faudrait appeler les dépanneurs. Ben, ils sont en grève, on pourra pas. On a deux jours là, hein, faut. Bon, hey, si dans deux minutes il vient pas nous délivrer, genoux, comment ça s'écrit là? Genoux? Non, pas du tout. Je le considère définitivement perdu. Non, parce que vous avez dit quoi? Non, parce que. Parce que, ouais, on s'arrête là, d'accord? Si avec moi dans le monde, vous envisagerez quand même. Peut-être. On peut s'arrêter, s'il vous plaît. Calmez-vous. Grande pensée pour Gus, d'accord? Gus. Jean-Claude. On y va? Qu'est-ce qu'on disait? Donc t'as compris? Assour, c'est quoi assour? La chaîne assour, c'est prisonnier. La toile de la chaîne, il t'a dit: mon fils, tu rentres dans ça, tu viens prisonnier de tes pulsions, tes passions, c'est très rare, les forces du mal. C'est quoi leur moutard? Ils disent quand Kadesh Atmecha, Bemutar Lecha. Sanctifie-toi par ce qui est permis. Et je vous ai dit plus d'une fois, le vidouille qu'on va dire Yom Kippour de Rabbi Yehuda, le grand vidouille. Ouais? Par quoi il commence? On demande pardon à Hachem. Oui, mais de quoi? La brioute. Qu'est-ce qu'on demande à Hachem? Sur quoi on demande pardon? Sur quoi on demande pardon à Kadosh Baruch Hu? Ouais, le vidouille, le premier vidouille de Rabbi Yehuda. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-nous. Al-Mashé, Itarta, Ve'asarti. Mashé, Asarta, Ve'itarti. Je traduis. Il dit à Kadosh Baruch Hu, pardonne-moi. Sur ce que tu as permis, je l'ai interdit. Et ce que tu as interdit, je l'ai permis. Moi, si j'avais fait le truc de la tefila, qu'est-ce que j'aurais dit? Pardonne-moi, Hachem, de ce que tu as interdit, je l'ai permis. C'est grave. Dieu, il l'a interdit, toi, tu l'as permis. C'est très grave. Qu'est-ce qu'on demande en premier, Rabbi Michel? Ce que tu as permis, je l'ai interdit. C'est encore plus grave d'interdire une chose que Dieu il a permis que de permettre une chose que Dieu il a interdit. Ouais. Shamata, si Dieu il te l'a permis, tu as le droit d'aller avec la femme. Mais laquelle? Ta femme. Et là, tu as une mitzvah d'aller avec elle. C'est plus difficile de permettre que d'interdire. C'est exactement ça. Et tu n'as pas le droit. C'est exactement ça. Et tu n'as pas le droit, et c'est plus grave, regarde, c'est le vidou Yom Kippour, regardez, on est sidourim.
c'est encore plus grave d'interdire quelque chose que Dieu t'a permis. Pourquoi? Parce qu'il dit Kadesh atzmecha pemuta lecha. Et un des pshatim de cette phrase là c'est quoi? Sanctifie-toi parce que je t'ai permis. Tu dois utiliser ce monde matériel que je t'ai donné. Tu as dû utiliser ce monde extérieur que je t'ai donné. Mais dans ce que je t'ai permis de ce monde-là. Et tu dois l'utiliser ce monde-là. Le mardi, le mercredi, le jeudi, quand tu as la forme, tzadik. C'est pour ça que le matir, c'est quoi matir? Matir, assurim. C'est quoi matir, assurim, que vous dites tous les matins? Matir, le attir, c'est délier, c'est libérer. Donc en réalité, quand on te dit que tu peux manger ceci, tu peux faire cela, toi, elle te dit, qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Il te libère. Il te libère. C'est la véritable. C'est ce qu'elle dit. El lecha ben chorin, el mishi osek, batora. La véritable personne qui est libre, c'est celle qui s'adonne à l'étude de la Torah. Pourquoi? Parce qu'à travers l'étude de la Torah, tu sais comment agir, parce que c'est ce qui est permis. Et donc, comme tu sais ce qui est permis, tu es quelqu'un de libre. Prends un type qui est en train de faire, des études de cuistot, chef cuistot, ok? Quand c'est un apprenti, le mec, il commence à apprendre, quand il veut casser son premier œuf pour faire des omelettes et des machins, comment il fait? Il a peur, mais il a peur! Il met 5 minutes parce qu'il a peur de salir la veste, il a peur de mal mettre le truc dans le machin, il a peur. Là-bas, il a peur parce qu'il ne le connaît pas, il n'a pas appris. Mais à partir du moment où il a appris, c'est devenu un champion de la cuisine, comment il fait le chef? Tu as vu un chef comment cuisiner? Avec une main cassée. Exactement! Parce qu'il a appris, donc il sait comment. Et c'est ça le secret, c'est ça le secret de la Torah. La pire maladie spirituelle qui peut exister, la pire maladie spirituelle qui peut exister, c'est laquelle, Sadik? C'est laquelle? L'ignorance. Quand on est ignorant, tout est interdit. C'est facile. Ta femme demande quelque chose, chérie, non, tu ne peux pas. Je peux remettre sur la plate. Non, on peut pas s'asseoir. Lola Madta, tu n'as pas appris, tu sais pas. Peut-être que c'est permis. T'as l'oïda, mais c'est facile, s'asseoir. Hachim ne veut pas ça. Hachim veut que tu permettes. Te libères. Il faut que tu sois libéré dans ta Torah. Et tu vois, les gens libérés dans leur Torah, en général, ils te donnent envie de rentrer dans la Torah. Ils te donnent le kiff de la Torah. Ils te donnent le goût de la Torah. Et les gens qui sont les fesses coincées comme ça, tu sais. Mais il a l'image, mais c'est très une belle image. D'accord? Un peu comme ça, coincé. D'accord? Qui ont... Constipés. Voilà, j'appelle ça les constipés de la Torah. Bah, t'as pas envie de rentrer dedans. Non, mais t'as pas envie de rentrer dedans. Tout est assourd, tout est assourd, tout est assourd. Tu leur poses une question, tu préfères te dire non que d'aller chercher. Voilà. Là, l'exemple de ces fruits, de ces arbres, Rabbi Julien. On a cravaché pour ça. Magnifique. On a cravaché pour ça, c'était dur. Mais c'est magnifique. Rav Ovadia Yosef. Je l'ai envoyé le Mekko. Je t'ai envoyé, tu l'as le Mekko. Envoie-le à Miguel. Rav Ovadia Yosef. J'ai même le rencontre. Ah, comment il t'a envoyé? Mike. Edmond Hassan. Mike. Qui sera? C'est quoi qui t'a autorisé? D'accord, les arbres. Sheneemar, veshavta d'Hashem lokecha, veshamata bekolo bekocha, shenochim etzavecha ayom. Et tu reviendras vers Hashem ton Dieu, et tu écouteras sa voix. Et tout ce qui t'a ordonné aujourd'hui, ata uvanecha bechol levavecha v'nafshecha, toi et tes enfants, de tout ton cœur et de toute ton âme. Veomer, begufa inyan, et là-bas la Torah elle te dit, uma l'Hashem elokecha et levavecha v'levav zarecha. Et si toi tu es le catalyseur, tu es dans cet élan de tes choix de repentir. C'est Dieu lui-même qui fera la circoncision de ton cœur et du cœur de tes enfants. On en parlera, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire quoi faire la circoncision de son cœur? Bah, la circoncision, c'était sur l'abri de Kodesh. La Gemara, elle dit, Arba Orla Yesh. Il y a 4 Orla. Il y a 4 prépuces. La prépuce de la langue, le prépuce de l'oreille, le prépuce du cœur, le prépuce de la brite. Et le Midrash, il dit qu'Abraham, lorsque Dieu lui a dit, tu enlèveras le prépuce, il ne savait pas lequel de où. C'est l'oreille, c'est la bouche que je dois faire, c'est mon cœur, c'est quoi? On verra ça. En tout cas, c'est Akadosh Baruch Hu. Oh, ça m'est bien senti quand même. Akadosh Baruch Hu lui-même, c'est lui-même qui enlèvera le prépuce de ton cœur. Pourquoi on parle ici de prépuce? Une hyène du prépuce, c'est quoi? Une hyène de Amalek, c'est la Sitra Achara, c'est les forces du mal, c'est l'Égypte. Tu te rappelles? Bravo! C'est les clipotes. À chaque fois, c'est l'Égypte. Et Eretz Israël, c'est l'abri de Kodesh. Quand tu prends Eretz Israël et l'Égypte, regarde le Borès. Ça me fait plaisir. Non, ça me fait plaisir. Tu te rappelles ou pas ce cours? La révisée. Non? Quand tu prends Eretz Israël, par rapport à l'Égypte, c'est tout, ils se touchent, Nachon. Ouais. Et ils disent comme ça, les Chachamim, que Eretz Israël, c'est l'abri de Kodesh. Et l'Égypte, c'est le prépuce d'Eretz Israël. Donc il fallait couper l'Égypte, faire sortir l'âme Israël. Il fallait qu'ils aillent là-bas, les faire sortir, couper le prépuce qui était l'Égypte, pour avoir l'abri de Kodesh et donner toute la Kdusha d'Eretz Israël.
Belle. Comme le jour. Et donc c'est Akadosh Brou lui-même qui fera la circoncision. Deux minutes, on a fini. La circoncision à ton cœur. On a fini. Ben maintenant, les avats de Mira pour aimer ton Dieu. Les asik ba'avato pour comprendre l'amour de Dieu. Et il dit, on va voir maintenant, Bezrat Hashem, dans les paroles des prophètes, la notion de repentir, comment il nous en parle et comment il l'explique. On continuera demain, Bezrat Hashem.